Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous voyez pas mon visage, ça change. Alors, on m'avait demandé de faire de temps en temps des tutos, donc je vais vous en faire un aujourd'hui. Donc là, je vais le faire sur mon vieux livre, comme ceci. C'est le livre, comme je vous avais expliqué, où je fais de temps en temps des essais, des... Voilà, voyez. Donc c'est un vieux livre qui me sert un peu à tout. Et là, je n'ai que ce personnage-là dans ce livre, donc je vais m'en servir. Alors, on m'avait demandé d'expliquer un petit peu l'ombre, pour faire l'ombrage. Comment on peut faire... Donc là, je vais faire l'ombrage sur... Donc, dessin blanc. C'est-à-dire pas sur le dessin qui est déjà un peu grisonnant sur... attendez, que je regarde sur le Grayscale. Alors là, bon, j'en ai pris un tout de suite. Bon, là, c'est le Grayscale, mais celui-là, je vous ferai un jour. Mais c'est encore plus compliqué. Alors, un Grayscale simple. Enfin, plus simple que ça. Ah mince, je me mélange avec mes livres. Ah, celui-là peut-être. Voilà. Le Magic Cotton. Voyez, là il y a déjà des ombrages faits avec du Grayscale. Donc je vous ferai un tuto également pour vous montrer comment on fait avec cela. Ce sera pour une autre vidéo. Là, on va faire sur un dessin simple. Bon, là, faites pas attention au dessin, hein, c'est vraiment un truc super simple. Mais c'est pour vous montrer la technique. Alors, il faut que vous imaginiez, si vous n'avez pas votre soleil dans votre dessin, que vous imaginiez où peut se trouver votre soleil. Là, vous voyez, votre personnage est un petit peu, tourne un tout petit peu. Voilà. Donc, on va imaginer que le soleil, voilà, hop, vient ici. Vous voyez, comme ça. Hop, voilà. Le soleil donne ici. Et le soleil est ici quelque part. Voilà. Donc, la lumière sera plus forte de ce côté-là. Donc ici ce sera le côté moins plus sombre. Donc là voilà. Donc je vous répète, ici c'est le côté lumineux. Voilà. Faites pas attention, hein, je fais vraiment comme je vous l'ai dit, ça c'est mon bouquin où je fais n'importe quoi dessus. Donc voilà. Alors, je vais d'abord faire comme je ferai d'habitude. On va s'occuper des vêtements. Je vais faire d'abord ma veste avec ma couleur la plus claire. Donc, toute ma veste. Voilà. Donc là, on fait la veste uniforme, hein, d'une couleur uniforme pour l'instant. Voilà. Là, on ne s'occupe pas de l'ombrage pour l'instant. Désolée, vous entendez peut-être un peu la télé derrière moi. J'espère que c'est pas trop gênant. J'avais laissé un peu le son. Voilà. Donc ça, c'est la veste. Le pantalon, on va le faire gris.
Donc on fait toujours la couleur claire hein, au début. Voilà. Là, on va faire les genouillères comme la veste, hein, ça c'est pas un problème. Hop. Et les petits boots. Les petits boots, on va les faire. Ben, voilà. Voilà. Bon, je le fais un peu rapide, hein, vous voyez bien, mais voilà. Oh, je déborde. Alors, on va lui faire son visage. Bon, si vous demandez ce qu'il y a à la télé en ce moment, c'est L'amour est dans le pré. Bon, c'est pas une émission que je raffole, hein, mais bon. Il n'y a rien d'autre à la télé. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Oups là, tous mes crayons tombent. Allez. Bon là, je fais les crayons, je fais pas les cheveux en mèche hein, puisque je veux aller vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le bonnet. Et le téléphone qui fait toujours bip bip. Je pense toujours pas à éteindre le son. Allez, des petites moufles vertes. Bon, il nous reste l'écharpe. Allez. Voilà. Et voilà, on aura mis toutes nos couleurs. Bon, faites pas attention, hein, c'est vraiment à l'arrache. Allez, je vais vous... Hop, vous l'avancez un petit peu.
Donc, on a dit que le soleil arrivait par ici, donc cette partie-là restera claire. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce côté ici, du coup, sera plus foncé. Donc, on va prendre un crayon plus foncé, mais on va commencer par le bord. Voilà. Donc là, on va y aller moins fort, hein, en repartant. Là, on voit le dessous de la veste, donc on peut mettre du foncé. Là, pareil. Ici, sous l'écharpe, on va faire une ombre. Là. Donc on fait juste un, voyez, un, pas un gros trait, hein. Je vous montre, voyez. Voilà. Alors, ici, malgré qu'il y a le soleil qui vient comme ça, vous avez les dessous de bras. Donc, on va avoir une petite ombre sous le dessous de bras, sur le pli du me. Voilà. Le pli. Bon, là, le dessin est vraiment fait un peu à l'arrache aussi, hein. Ils se sont pas embêtés, hein, pour faire les dessins, mais. Pouvez marquer un peu plus la poche si vous voulez. Là, vous allez reprendre votre crayon clair et vous allez repasser sans appuyer, hein. Partout là où vous avez fait votre ombrage. Et en repartant sur le clair. C'est pour fondre la couleur
et ne pas avoir de démarcation. On peut repartir sur l'autre côté, hein. Voilà, vous voyez déjà. Donc, on va faire pareil pour le pantalon. Alors, j'avais un autre gris. Voilà. Alors là, par contre, on a la veste hein, qui vient. Donc, il faut penser à faire l'ombrage de la veste. Je passe sur le vert, hein, c'est pas grave. Là, on peut refaire un petit trait. Là, au niveau des bottes. Voilà. Et là, on va refaire pareil, donc avec le gris clair. Là, on va fondre les deux couleurs. Hein. Voilà. Donc pour les bottes, ça va être pareil. Hein. On va refaire. Thank you.
Voilà. Là, je voudrais que ce soit un petit peu plus foncé sur le bord. Et on va refaire avec le clair. Donc le clair, il était là. Voilà. Bon, je vais gommer ce qu'il y a, ce que j'ai dépassé. Bon. Il est tard le soir, hein. Je vois plus clair moi. Hein. Ma gomme électrique. Voilà. Donc voilà pour les vêtements. Si on trouve, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez, vous pouvez refaire un petit peu. Hein. Voilà. Hop. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler du plus clair au plus foncé, parce que c'est plus facile de remettre du foncé, de rajouter du foncé si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Alors maintenant, on a le visage. Alors, ce côté-là va être clair. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est un petit visage, donc... Attendez, voilà, c'est un petit visage, donc je ne saurais pas utiliser tous les crayons pour faire le visage, mais c'est pour vous montrer où il faut surtout foncer, voilà. Vous allez surtout foncer de ce côté-là. Bon, de toute façon, pour faire un visage, on utilise surtout du violet, du marron. Et après, on travaille avec les roses. Oui. Je vais repasser donc, mais ça, bon, je vous ferai un tuto, un visage.
que là, bon, sur ce bout de visage, je peux pas faire grand chose. Alors, les cheveux. Alors, vous allez surtout foncer. Bon, je continue sans faire de mèche. Hein. Pareil, on fera un tuto pour ça. On va surtout foncer par ici. Voilà. Voilà. Ici, on va foncer un peu quand même parce qu'on est derrière le cou, vous voyez. Mais ça, bon, c'est pareil. Les cheveux, ce sera un tuto à part. Voilà. Et là, vous voyez, ce qui est vraiment sur le dessus, on va le laisser clair. Voilà, le dessus, on va le laisser clair parce qu'on pense que le soleil arrive dessus. Vous voyez, comme ça, vous voyez. Il faut toujours imaginer que le soleil, enfin, ou la lumière arrive dans ce sens-là. Bon, si j'arrive dans ce sens-là, vous faites le contraire. Si elle arrive sur le dessus, si vous voulez que ça arrive sur le dessus. Donc là, tout ce qui sera là, ce sera éclairé. Mais il faudra faire vos ombres. qui partent vers le bas. Voilà, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Mais je vous referai des vidéos là-dessus avec plusieurs cas de figure. Et avec surtout un autre modèle. Donc, on a aussi l'écharpe. Voilà, donc de ce côté-là, on va foncer un peu, voilà. Bon. Là, pareil, on va foncer. Je devrais mettre un autre orange, hein, mais... Hop. Je vais foncer en orange et je vais remettre un peu de marron. Voilà. Sachant que là, non, c'est pas celui-là que je voulais, celui-là. Voilà. En sachant que là, attention. Pareil, vous voyez, l'écharpe, elle vole. Donc, là, le soleil... Oup ! Il y a Fifi qui me saute sur le bureau. Il y a le soleil ou la lumière qui tape dans le bout de l'écharpe. Voilà. Donc là, on va foncer un peu. Voilà. Voilà. Donc c'est l'appareil, hein, la toute petite pointe sur le dessus. Voilà. Bonnet, on va foncer un peu sur le côté. Voilà.
Voilà. Bon, là, c'est des gants, donc ça bouge, hein, les gants. Donc là, ça va être sur tout le bas. Voilà. Bon, voilà un peu. En gros, ce que ça donne. Mais alors vraiment en gros, hein, parce que je vous dis, c'est pas le dessin du siècle, hein, ça. Voilà. En sachant, comme je vous ai dit, donc je reprends mon crayon. Là, c'est comme si on avait la lumière ou le soleil qui venait par ici. Donc, vous avez votre ombre. Alors, votre ombre est par ici. Voilà. Ici, c'est votre ombre. Voilà. Vous voyez, l'ombre est là. Pour vous imaginer, hein. Voilà. Votre ombrage est de ce côté-là. Donc voilà. Petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais je vous dis, j'en referai, hein, avec d'autres dessins. J'imprimerai des dessins sur Pinterest plus intéressants sur le visage, sur les cheveux, sur des personnages entiers. Dites-moi si vous voulez des choses en particulier, que vous voulez voir sur des tutos, en particulier sur le coloriage, pour que je puisse préparer des vidéos. Dites-le-moi, comme ça je peux préparer à l'avance, faire des recherches de dessins qui seraient intéressants pour certains tutos. Voilà. Et là, si vous avez des questions pour ce mini tuto, donc pour l'ombrage, pour ce petit personnage qui, bon, hein, j'en dis qu'on vient pas, il n'est pas terrible, mais bon. Enfin, le dessin, mais j'espère que ça vous aura déjà donné de petits, comment je vais dire, des petits conseils pour pouvoir vous aider déjà dans vos petits ombrages. Voilà, mais je vais faire d'autres recherches pour avoir de meilleurs dessins. Pour ou imprimer des dessins que j'ai dans mes livres de coloriage et vous refaire des tutos avec. Donc dites-moi si vous avez besoin de tutos spécifiques pour que je puisse préparer les vidéos et que je puisse vous les montrer après. Voilà. Allez, vous m'aurez pas vu aujourd'hui, c'est pas parce que je suis moche, hein, ni rien, non, non, non. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Gros bisous à tous, à bientôt.